前も相手を描いて曲がり合いへ À 260 km de Tahiti, 16 km de Raiatea, Bora, diminutif familier que lui donnent ses amis, est une petite île de 10 km de long sur 4 km de large, rendue célèbre par la beauté saisissante de son lagon et de ses îlots, mais également par l'arrivée des Américains pendant la dernière guerre. Bora Bora est un volcan écartelé, vieux de 3 à 4 millions d'années, plongeant dans un immense lagon à une seule passe. Son sommet culminant se trouve être le mont Otemanu avec ses 727 mètres. L'île portait autrefois le nom de Vavao, qui désigne encore un des groupes du nord des Tonga. Bora est peuplé aujourd'hui d'environ 4300 habitants. Son chef-lieu, village principal, est en Vaitape. De navigateurs et de touristes ont souhaité tôt ou tard visiter cette perle du Pacifique. Bonsoir et bienvenue à Bora Bora. Au sommaire de ces 45 minutes, nous tiendrons une conversation avec un des personnages illustres et connus à travers le monde pour ses écrits et ses découvertes, notamment l'Arctique et l'Antarctique. Il habite ici depuis 30 ans, Paul-Émile Victor. Il y aura également de la plongée avec Fabrice Navarro et vous allez voir, les fonds de Bora Bora sont très intéressants et surtout fantastiques de par leur couleur. Un document que l'on doit également à nos amis de l'ICA sur l'arrivée des Américains dans les années 40, archives du Pentagone, les contes et légendes de Bora Bora avec Atto. Et tout de suite, je vous propose une randonnée en 4x4. Bora Bora sur le mont Papoti et nous sommes venus avec Vincent Soustreau en 4x4, donc juste en haut. Alors le chemin que tu empruntes, c'est un chemin qui a été construit pendant la guerre, pendant les années 40, par les Américains. Oui, c'est ça, donc c'est un chemin qui, on le voit derrière nous, qui monte sur cette crête ici jusqu'à 350 mètres d'altitude. C'était ici un poste d'observation où les Américains avaient une vision à 360 degrés sur les principaux points stratégiques qui étaient la passe, la piste de l'aéroport que vous voyez derrière et puis la baie de Fanoui où ils avaient la base principale de la marine. Et donc grâce à eux maintenant et à ces pistes qui avaient été ouvertes, on a accès à ces points élevés pour faire des excursions. Est-ce qu'il existe encore des vestiges sur les différents monts qui culminent Bora Bora ? Il y a peu de vestiges en fait en altitude. Il y a, quand on est monté ici, vous avez vu le bunker qui était la station radar.
Il y a aussi des canons qui restent à différents points au bord de, autour de l'île, entre autres trois bunkers avec des canons. Et, mais en fait, la plupart des constructions ont été détruites ou démontées après la guerre. Voici une vue aérienne de l'île de Bora Bora, telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle était il y a 50 ans, en 1942. Nous vous proposons de relater des événements dont seuls les anciens, les hommes les plus âgés de l'île, se souviennent. Nous avons enregistré deux témoignages. L'un est celui de Francis Sanford, ancien président du gouvernement local, l'autre celui de Louis Picard, ancien conseiller à l'Assemblée territoriale de Polynésie française. Tout commence en 1942, quand après l'attaque japonaise de Pearl Harbor, l'état-major américain prend la décision d'implanter une base navale à Bora Bora. Le commissaire de la France libre à Washington est consulté et donne son approbation. Le projet prendra le nom de code Opération Bobcat. C'est le 17 février 1942 qu'un convoi de 11 navires, dont le président Tyler, emboucle la passe de Bora Bora. Ce premier convoi transporte 20 000 tonnes de matériel et plus de 4 000 hommes. Des tentes sont aussitôt dressées et camouflées avec des palmes de cocotiers. Les officiers dressent les plans d'implantation de la base, de son système de défense, du wharf, et de la rampe d'accès des hydravions à Pha Nui. Il détermine l'endroit idéal avec beaucoup de sérieux. Les hommes du génie, les fameuses abeilles de la mer, se mettent à l'œuvre. Le ponton est vite terminé et le débarquement du matériel peut commencer. Tout est transporté à terre, par des pontons flottants et avec des barques. Mais d'autres problèmes surgissent. L'eau potable manque. La petite route de ceinture ne peut pas recevoir de véhicules lourds de l'armée. Il faut donc, avant tout, installer un système d'adduction d'eau et construire des routes. Sont amenés à Bora Bora. Il n'existait alors pas de piste d'atterrissage sur l'île. Leur mission est de repérer à distance et d'attaquer les éventuels sous-marins ou navires de guerre japonais qui peuvent menacer la base. D'artillerie anti-aérienne de 75 mm sont déployées autour de l'île pour parer à une éventuelle attaque de l'aviation ennemie. Un filet, muni de flotteurs, est remorqué jusqu'à la passe qu'il barrera jusqu'à la fin de l'occupation américaine. On est ainsi protégé de l'arrivée inopinée d'un sous-marin. Dès le
et 25 février commencent les travaux d'implantation de pièces d'artillerie lourdes en face de la passe. Les énormes fondations de béton armé sont achevées en moins de 2 semaines. Ce matériel lourd n'est pas aisé. Beaucoup de savoir-faire, de patience et d'ingéniosité sont nécessaires pour hisser les canons au sommet de la colline. Posés sur des bilots, ils sont halés et poussés par des dizaines d'hommes, centimètre par centimètre, sur des rails de bois. 8 gros canons de 7 pouces sont mis en place à Papua, Anahué et Matahira. Arrivé quand même à débarquer, il y avait à Vaitapé, dans le village, un grand tas de matériel de tout ce qu'il fallait, ravitaillement en vivres, ravitaillement en obus, ravitaillement en armes, ravitaillement en tout, quoi. Ça a été, pendant 3 mois, une période assez mouvementée. Mais, par la suite, ils se sont bien adaptés avec les habitants de Borobudur. Il n'était pas aisé d'harmoniser les rapports entre les 1200 habitants de Bora Bora et plus de 4000 jeunes soldats américains. Il fallait calmer l'ardeur de la troupe face à une centaine de femmes, jeunes et souvent jolies. Il n'y a pas eu de mariage, car les autorités américaines s'y étaient opposées. Mais de nombreux enfants sont nés, dont certains ont été ultérieurement reconnus par les ex-GIs. Les Boraboraïens, nous avions beaucoup de problèmes ici, sur le plan ravitaillement. On était ravitaillés au compte-gouttes. Arrivent les Américains, ça a été pour nous quelque chose de formidable, hein, car les soldats américains étaient très larges. Ils nous donnaient tout ce qu'on avait besoin. Les cuisiniers commencent leur journée à 4h du matin et ils la terminent à 7h du soir. Les repas sont servis à l'extérieur, sur de longues tables, sauf quand il pleut. Pour les habitants de Bora Bora, c'est une période d'abondance. Les soldats ne peuvent dépenser leurs dollars qu'en achetant des cocos verts, des coquillages, des colliers, des curios et des timbres-poste. Ils envoient régulièrement des paquets cadeaux à leur famille
et les gens de Bora Bora peuvent acheter de la nourriture avec des dollars ainsi obtenus. La vie coule paisible dans l'île, les Américains prennent leur quartier. Quelques incidents émaillent des vols de reconnaissance, mais les Japonais ne sont pas en vue. Les dégâts, minimes, sont vite réparés. S'installent. Les hommes vaquent à leurs occupations, fourbissent les armes, préparent les munitions. Des bombes anti-sous-marins sont particulièrement choyées et leurs adresses clairement libellées. Le meilleur moment pour ces hommes, loin des leurs, est l'arrivée et la distribution du courrier. Il y a aussi des offices religieux, car des prêtres de toutes les confessions représentées sont là. Ben, quand ils sont partis, ben, croyez-moi que les Taïjans le regrettaient quand même. Sur le plan ravitaillement, habillement, même sur le plan médical, car les docteurs nous recevaient. Les malades pouvaient être soignés chez eux, même des opérations. Alors c'était quand même une chose qui manquait avant leur arrivée chez nous. On n'avait qu'une petite infirmerie et vous pensez bien que en période de guerre, on manquait beaucoup de médicaments et des tas de choses. Alors, l'hôpital américain était pour nous quelque chose. Je sais pas moi, les gens qui allaient là-bas, ils étaient absolument bien reçus, bien soignés. C'était vraiment pour nous une chance. Ne sera jamais directement impliqué dans la guerre. Les Américains partiront un jour de juin 1946 en laissant derrière eux de nombreux ouvrages, dont le plus important est certainement l'aéroport de Bora Bora. Quand le dernier Américain a quitté l'île, quelqu'un s'est écrié : c'est fini, c'est vraiment fini. C'était comme un rêve. Thank you.
Lorsque l'on parle de Bora Bora sans avoir vu ses fonds marins, cela reviendrait à converser sur un iceberg dont on ignorerait la face immergée. C'est en compagnie de Claude Sibani du Calypso Club de Bora que nous sommes allés rendre une visite aux habitants du monde du silence. Thank you.
sur l'île de Bora Bora, sur le Motu appelé Motu Tane, petit îlot où habite Paul-Émile Victor depuis une trentaine d'années. Paul-Émile, bonjour. Nombreuses expéditions en Arctique, en Antarctique, beaucoup de livres. Toute une vie, quoi, 45 ans. Toute une vie, oui. Et beaucoup de livres en effet, une cinquantaine, c'est-à-dire à peu près un par an depuis la guerre. Alors, une chose qui est paradoxale, justement, c'est que vous avez écrit énormément sur l'Arctique et l'Antarctique, donc des territoires relativement froids. Et depuis 30 ans, vous habitez sur le Motu Tane, et aucun livre sur la quiétude, sur justement cette expédition que vous menez depuis 30 années sur ce Motu, puisque vous ne l'avez pas trouvé dans cet état-là. On le sait que ce genre de Motu, il faut absolument défricher pour avoir ce que vous avez à l'heure actuelle. Oui, d'abord, une petite précision, nous sommes de façon définitive, Colette, ma femme, Teva, mon fils qui fait ses études en France, et moi depuis 16 ans de façon générale. Avant, on venait tous les ans seulement. Le problème était effectivement que, au moment où nous sommes arrivés pour la première fois sur cet îlot, il était en friche. Il fallait le nettoyer complètement, c'est-à-dire la jungle de 2 mètres de haut. Et après 30 ans de travail acharné, mètre par mètre carré, minute par minute, et sous par sous, il y a 2 ans, le cyclone Vassa a tout détruit. Il a fallu tout recommencer. Et je dois dire que si tout s'est bien passé, c'est grâce au courage de Colette, parce que elle aurait pu tout aussi bien, et moi aussi d'ailleurs, dire bon ben tout est foutu, terminé, il faut tout recommencer, on n'a pas envie de recommencer, pas du tout. C'est elle qui a dit bon ben on recommence. Puisqu'on parle de temps, est-ce qu'il y a des aventuriers de notre ère, de l'an 2000, qui vous fascinent? Ce qui me fascine, en plus du fait qu'il y a des gens qui heureusement savent encore ce que c'est que l'aventure, et il y en aura encore beaucoup, car l'aventure n'a pas de fin. Ce qui me fascine davantage, c'est, davantage peut-être pas, mais enfin ce qui me fascine énormément, c'est qu'en l'espace d'une dizaine d'années, les techniques de l'aventure ont fait des progrès extraordinaires. Et je regrette vivement de ne plus être physiquement capable de faire l'expérience, par exemple, du parapente. Ça, j'aurais bien voulu faire du parapente. Il n'y a pas que le parapente, il y a beaucoup d'autres techniques de l'aventure. Alors le 21e siècle, c'est-à-dire d'ici à peine quelques années, sera un siècle, à mon avis, très difficile. Je ne suis pas du tout d'accord avec Malraux qui disait que ce sera un siècle mystique. Je pense que ce sera un siècle difficile à tout point de vue, mais surtout en ce qui concerne les hommes, ce sera un siècle de très grande aventure planétaire. Les hommes devront s'habituer à vivre ensemble, et ça, c'est une énorme aventure. Quel doit être, selon vous, l'héritage à laisser aux générations futures? Ça m'amuse, cette question, parce que l'héritage, d'abord un héritage, c'est pas les générations futures. Les générations futures reçoivent l'héritage. L'héritage, c'est les vieux crabes comme nous qui leur donnent ce dont ils héritent. C'est donc notre responsabilité à nous, comme dit mon ami Cousteau, de leur transmettre aux générations futures une terre vivable. C'est capital. Et nous n'en prenons pas le chemin. Pour le faire, il faudrait réagir de façon drastique et profonde, dès maintenant, et non pas dans quelques 10 ou 15 ou 20 ans, mais tout de suite. Et votre message pour cette protection de l'environnement aussi bien sur Terre que sous l'eau? Ah ben, vous savez, la Terre, c'est tout. C'est à la fois la Terre, comme vous dites, c'est-à-dire là où les hommes vivent, c'est la mer. Il ne faut pas oublier que les 2/3 de la surface terrestre, pas en volume, mais en surface, c'est de l'eau, où vivent la plus grande partie êtres vivants et qui commencent à être évidemment pollués. Alors c'est aussi ça, et c'est tout l'ensemble.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier les différentes parties de ce qui forme la terre sur laquelle nous vivons. Quand on parle de terre, on a toujours l'impression qu'il s'agit de terrain, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de terrain, il s'agit de cette toute petite boule de rien du tout qui circule à 300 mètres par seconde à l'intérieur de notre galaxie, qui est la Voie lactée. Il s'agit de cette toute petite boule sur laquelle nous sommes peut-être les seuls, probablement pas, mais jusqu'à nouvelle recherche et découverte, nous sommes les seuls êtres vivants à être conscients, c'est-à-dire des hommes. Le trou dans la couche d'ozone, est-il un vrai ou un faux problème, et la fonte des glaces qui s'en résulte? Alors, ce sont deux choses différentes. D'abord, le trou dans l'ozone, c'est probablement un vrai problème, mais probablement moins grave qu'on le dit. On a découvert ça il y a seulement quelques années, peut-être parce que, et peut-être uniquement, parce qu'on ne faisait pas des observations avant. Le trou dans l'ozone au-dessus de l'Arctique, et qui se développe, paraît-il, ou qui vient au-dessus des régions tempérées, il existait peut-être avant. C'est un problème, sans aucun doute, mais peut-être moins grave qu'on le dit. Le réchauffement de l'atmosphère ne provient pas de là. Le réchauffement de l'atmosphère vient de l'accumulation du gaz carbonique, du CO2, qui fait ce qu'on appelle l'effet de serre. Là aussi, c'est probablement moins grave qu'on le pense, parce que dans l'étude des archives de l'histoire climatique du monde, dans les déserts de glace de l'Antarctique ou sur la calotte glaciaire du Groenland, des forages que nous, expéditions polaires françaises, nous faisons maintenant depuis 30 ans, dans ces archives, nous découvrons que la proportion de gaz carbonique dans l'atmosphère a beaucoup changé au cours de ces 50 ou 100 dernières années, et qu'il ne semble pas que ça ait eu une conséquence catastrophique. Et enfin, pour conclure, personne ne peut dire pour l'instant si les glaces fondent ou s'ils ne fondent pas. Après toute cette discussion, est-ce que vous auriez une phrase de conclusion? Elle me paraît évidente parce qu'elle est récente. Elle est récente aussi par la prise de conscience que l'on en a. À savoir que les hommes ne sont plus isolés chacun dans leur petit coin et qu'ils font partie d'une seule race. L'Homo sapiens sapiens. Le petit noir des forêts africaines, le grand blond des pays scandinaves, c'est la même race, c'est pareil. Il n'y a pas de différence de race. De race, s'entend. Ma conclusion, c'est que les hommes doivent réaliser qu'ils font partie d'une même race, d'un même groupe, que leur intérêt est le même, quel qu'il soit. C'est-à-dire, il faut qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience de ce que j'appelle la planétarisation de l'homme. L'homme à l'échelle de la planète et non plus à l'échelle de son petit village. Il doit garder dans son village le sens qu'il appartient à ce village, mais en même temps qu'il appartient au monde tout entier. Ah, no, ah,
Maite Poe Hawaii. Atto, y a-t-il une légende propre à Bora Bora? Oui, la légende de Hiro, du dieu Hiro, qui a ses deux cloches dans le Mutu d'en face, dans le Mutu Taupua. Alors, les deux cloches se situent pour la première face à l'île et la deuxième de l'autre côté au large. Alors, la première, c'est celle qui est au large. Hiro se tenait là quand l'île était menacée. Il était là pour veiller sur l'île. Et dès qu'il y avait les premiers visiteurs, il sonnait une première fois là. Il revenait de ce côté, à la deuxième cloche. Il sonnait encore là. Et cette fois-là, c'était pour appeler les guerriers et qui, eux, habitent dans l'île. Ah, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il sonnait à partir des roches, puisque ces roches ont une particularité, c'est qu'elles sont apparemment creuses. Ben, oui. D'ailleurs, si vous voulez, on peut essayer de les sonner pour entendre le son de ces roches qui sonnent exactement comme des cloches. Que penses-tu qui pourrait être développé, touristiquement parlant, ici, sur l'île? J'aimerais promouvoir le tourisme chez l'habitant et la culture de ce pays. Je dis ce pays pour ne pas citer uniquement Bora Bora. Le tourisme chez l'habitant, pourquoi? Parce que je pense qu'à Bora Bora, il y a assez de grands hôtels qui nous amènent les gens qui ont les moyens, mais il ne faut pas non plus oublier les gens qui ont une petite bourse et qui voudraient aussi, en même temps, profiter de la beauté de nos îles. Et je pense que l'hébergement chez l'habitant est un moyen pour ces gens-là d'y rester un peu plus longtemps, avec les petits moyens qu'ils ont. Les personnes sont-elles assez formées pour parler de culture avec justement ce tourisme petite bourse, comme tu l'appelais tout à l'heure, pour leur faire partager un peu les secrets de la Polynésie? Nous avons notre culture, notre musique, nos légendes. Et je dirais ceci, on ne peut pas dissocier le tourisme de la culture. Je donnerai un exemple. La culture peut vivre seule, tandis que le tourisme ne peut pas se passer de culture. Je donne un exemple. Imaginez une ou deux semaines des touristes de Nodrin dans un hôtel sans les danses traditionnelles. Les agences de voyage se feraient traiter de menteurs. Parce que la Polynésie est vendue pour avoir tout ça dans les hôtels. C'est ce qu'on appelle chez nous les shows. Par contre, au niveau de la culture, aujourd'hui, je pense qu'il manque des gens compétents, capables de raconter les légendes de ce pays, pas uniquement de Bora Bora. Et ces gens-là, il faut les former. Pour ça, je pense qu'il faut aussi en même temps créer une politique culturelle à long terme, former des gens et pour promouvoir en même temps la culture dans ce pays. J'aimerais ramener un peu une pensée sur les anciens de ce pays. Les temps passent et les anciens sont dépassés par les événements,
la politique, la religion et tout ce qui se passe aujourd'hui. Et là, c'est dommage, parce que j'aimerais encore maintenant, je pense qu'au niveau de Borbora, il y a très peu de personnes âgées que j'aimerais, en travers eux, garder un petit peu leurs souvenirs et des histoires anciennes, chose qui n'est pas faite aujourd'hui. On parle beaucoup de culture, mais on oublie les anciens. Et c'est ça qui est important pour nous. Parce que sans ces anciens, quand ils seront partis, nous, on va sûrement raconter des histoires qui viennent des livres que des gens auront écrits. Mais chacun de son époque aura raconté son histoire à sa manière, par rapport à ce qu'il aura vécu. Alors que nos anciens, je me baserai un peu plus sur leur dire ou leur histoire. Bora bora, ka umai mo, maite o e mahi, matai a ie, koe kuai o mongpa. Bora bora, ka umai mo, maite o e mahi, matai a ie, koe kuai o mongpa. Bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles aventures.